Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut, c'est Zarkoto et nous voici pour une petite vidéo bonus sur War Thunder, un jeu qui me tient beaucoup à cœur car c'est un des jeux gratuits que je préfère le plus. J'ai du mal à imaginer que ce jeu soit gratuit en fait. Tant qu'il est bien, enfin je l'adore. Question, c'est peut-être pas mon jeu préféré mais limite. Et en plus c'est un jeu gratuit sur Steam, donc merci Steam, merci pour War Thunder. Bon, malgré qu'il y a des choses payantes comme certains véhicules, mais ce jeu est juste super. C'est juste super comme jeu, donc je remercie ce jeu gratuit. J'espère qu'il le restera pour les temps à venir. Donc, mais est-ce que si tu es payant, je comprendrai aussi. Je pense que ça m'étonne qu'il soit gratuit, mais il l'est. Donc, c'est un jour il devient payant. Je sais pas trop, mais bon, c'est compréhensible. Il y a des jeux qui sont payants, qui sont bons. Pourquoi j'ai une baisse d'un seul coup? D'accord, tout à fait normal. Comme ça, slash. D'accord, j'ai une baisse d'FPS. Je comprends pas pourquoi, d'un seul coup. J'étais à 30, là je suis à 14. Donc, je veux prendre les Américains, mais comme vous pouvez voir, je veux montrer mes véhicules chez les Américains. Donc, cette vidéo, j'avais pas prévu, donc j'avais prévu de faire ça pour un live peut-être. Un éventuel live. Mais mon char de l'amour, paix et amour. Faites l'amour, pas la guerre. Ou plutôt, faites la guerre, pas l'amour. Vous faites les deux. Alors, donc oui, j'avais prévu de faire ça pour un live à l'origine. Si je parle bizarrement, c'est parce que j'ai un problème à la bouche, donc un problème à la bouche. Je vais vous dire en gros, j'ai un lèvre, et du coup, ma lèvre est un peu enflée, et du coup, ça fait un pharynx. Bon, là, j'abuse, mais ça me fait un petit cheveu sur la langue. Les mots ont du mal à sortir. Je crois. En globalité, c'est du mal. Donc, mon chat, si je pouvais lui donner un nom, ce serait. Transporteur de l'amour peut-être, je ne sais pas. J'ai pas vraiment, je l'ai depuis longtemps, c'est le Stuart, j'ai depuis très longtemps. Ouais. Et c'est mon petit char à moi. J'ai joué avec toutes les nations, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que j'ai montré un peu plus rapidement quand même toutes les nations. Celui-là, je voulais me faire un petit style médecin. Hein, voilà. C'est pas vraiment médecin, mais je voulais me faire un petit style médecin. Et c'est mon plus fort question armement. Mon meilleur armement 75 mm, donc si je tire bien, je peux one-shot un char, n'importe laquelle quasiment, si je vise vraiment bien. Donc celui-là, c'est l'avion que je disais nul, en fait, non, il est super bien. Il est très fort en voltige, je trouve, mais sa défense est pas si bonne que ça, en fait. Je crois que j'ai pas fait de bonnes améliorations, mais franchement, sa défense n'est pas si bonne que ça, mais si on joue bien avec, parce que j'ai un ami qui est venu jouer, il s'était fait un combo de kill avec cet avion, c'était en fait, j'avais finalement fait ça. C'est un bon avion. Donc voilà, t'es que décoration. Voilà, ça c'est le Buffalo. Le Hawk, mon meilleur avion, je gère tout le temps avec lui. Je vais vous montrer, mais j'espère que j'ai géré, parce que par exemple, dans la caméra, je peux pas gérer. Mais je gère tout, genre, je fais au moins un kill avec, à chaque partie. Au moins, minimum, grand minimum. Sinon, au maximum, je vais en faire 7. Mais vraiment, ça c'est quand même beaucoup. Mais au moins minimum un ou deux. C'est j'échange pas ces munitions, les balles incendiaires, je crois. Un bon incendiaire, traçante incendiaire et anti-blindage. Donc il défonce tout. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'était bien là pour le moment. C'est mon meilleur avion, même de toutes mes nations, je crois. Même mon Hurricane, il est pas aussi fort. Il est fort, mais pas aussi. Il a pas les bonnes missions, mais... donc ça, c'est mon bombardier, c'est mon préféré. Bon, je l'aime bien, il est quand même assez résistant, mais sans façon, franchement, sans façon. Ce bombardier là, je l'aime moyen, ça va. Passons aux Allemands, ensuite les Allemands. Alors, je sais pas pourquoi débloquer grand chose chez les Allemands. Je suis encore sévère, au Gladiateur, donc voilà. 27. Hop, ensuite. Ils sont assez forts en voltige et l'armement n'est pas si mauvais que ça, hein, comme on pourrait y croire. Il est assez bon, mais
Mais franchement, ça ne vaut pas un Spitfire, un Hurricane ou un Stuka. Donc voilà. Le deuxième. Le troisième. Parce que c'est les trois mêmes en fait. Enfin, surtout lui. En même temps, c'est tous les trois la même marque. C'est pour ça que c'est un peu les trois mêmes, mais c'est tous les trois à peu près la même marque, mais d'une génération différente. Voilà. Je peux pas vraiment vous dire quel est le meilleur parce que chez les Allemands, on a le meilleur avion. C'est fort possible que ce soit celui-là. C'est lui, ton meilleur avion. Je pense que c'est celui du milieu, mon meilleur avion. Voilà. En fait, je fais un groupe. Les deux premiers, c'est des chasseurs. Même si des fois, c'est pas une chasseur. Et le dernier, souvent, c'est pour détruire des véhicules. Je me fais ça souvent. L'allemand. Je l'aime bien celui-là, l'original. Bon, par contre, je suis pas du tout discret. Je suis pas du tout discret, mais l'original, et puis. Il n'y aura peut-être pas des masses non plus, mais il se débrouille, Il faudrait que je me repasse avec lui. Je me souviens plus vraiment de sa force. C'est longtemps que j'ai pas joué avec les Allemands. Excusez-moi, mon téléphone, je vais le poser. Voilà, sur une partie molle. Vous inquiétez pas, c'est mon lit. Pas de quiproquo, s'il vous plaît. Oui, j'utilise des grands mots. Et mon dernier char, celui-là, je crois qu'il est puissant. Hein. Quoique. Si. Ah non, oui, celui-là, il est puissant, mais un peu rapide, ça. Il a un bon blindage. Je dis pas ça parce que je viens de remarquer qu'il avait beaucoup de... Il avait un aspect blindé, il est vraiment un assez bon blindage. Bon, par contre, quand on vous tire à l'arrière, c'est assez mauvais. Mais à l'avant, c'est chaud de vous tuer. Souvent, je me fais tuer par les côtés, par derrière, ou par l'avant, ou pour l'autre côté. Voilà, nous passons à la Russie. La Russie, je les aime bien. J'aime surtout leurs chars russes. Leurs avions, je suis pas fan des avions russes. Je suis pas fan des batailles aériennes russes, mais je suis fan des batailles de chars. Je pense que c'est avec les Russes que j'ai dû faire le plus d'élimination pour chars. Donc voilà. J'ai mis ça comme décoration. Une ange évil de la mort. Ah non, oui, j'ai mis un flocon de neige sur mon hélice. J'ai mis la même sur les hélices, c'est vrai. Je crois qu'au total j'ai que 3 gros bombardiers. Enfin, il y a que la Russie et l'Allemagne qui n'ont pas vraiment de bombardiers. Ou j'ai pas encore de bloqués de bombardiers. Sinon tout le monde en a. Voilà. J'aime bien la séquence. Je peux vraiment vous dire c'est lequel je choisis en vrai. Je peux y faire beaucoup de batailles aériennes. Et oui, c'est vraiment que j'en fais beaucoup. Alors je suis là, je sais qu'il est nul. Enfin, il est nul. Je sais que celui-là, je me suis fait assez démonter souvent. C'est peut-être un des deux que je préfère, mais celui-là, je l'utilise souvent en dernier. Je l'aime pas des masses, mais ça va. J'ai au début. Alors, oui, au début. Je vais vous raconter. Et j'ai cru. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que j'étais chez les Japonais, en fait. Et j'avais pas. Et je me suis dit, mais what, comment ça se dit que les Japonais ont autant d'avions. Parce que fois, j'ai vu le blanc, j'ai même pas réfléchi à l'étoile. C'est après, j'ai réfléchi, je fais. Attendez. Ah mais oui. Et puis en fait, oh mon dieu, je me suis senti bon pendant quelques secondes. Je pensais que l'étoile c'était japonais, j'ai totalement oublié. J'y ai réfléchi, mais ah non en fait. Et du coup, à l'origine je pensais que cet avion était japonais. C'est pour ça que j'ai mis ce samouraï avec le fond du soleil levant. J'ai mis ça comme fond, mais bon du coup je l'ai laissé parce que je trouvais ça quand même assez classe. Mais je me suis senti moi-même con tout seul. Ah d'accord, c'est les Russes. J'avais pas remarqué. J'ai remarqué en prenant les chars. Mais j'ai pas réfléchi. Du coup je fais. Oh, un avion japonais, pourquoi il a pas beaucoup de blanc en fait par rapport à ce qu'on dit. Donc voilà celui-là aussi. Celui-là il est hyper rapide. Il est hyper. Je l'adore. C'est avec lui je fais le plus de kills. J'adore, il est rapide et il a un canon, il fait pas mal de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts quand même. Si on vise bien. Puis vu qu'il est rapide pour se cacher, pour sortir. Voilà, donc là, c'est vraiment le char de la mère patrie. Ensuite, ouais, il va nous falloir à peu près 10 minutes pour expliquer tous les avions. Et enfin, tous les types de véhicules que j'ai. Celui-là aussi, c'est un char, je l'utilise. Je l'utilise, bien sûr. Mais je suis pas très fort avec. Le T26, je ne gère pas beaucoup avec. J'ai même fait des décorations assez légères sur le dessus. Il est assez discret par contre. Mais je ne gère pas avec.
mon fameux hurricane que j'ai eu il y a pas très longtemps. Voilà, enfin, toujours faisais des décorations. Je suis le mec, par contre, me demandez pas d'être discret, hein, parce que je vous mets toujours des décorations, mais tout sauf discret. C'est le truc extrêmement voyant. C'est pour ça aussi que des fois je suis souvent le joueur choisi comme c'est, parce que c'est pas dire me louper. Hein. Tu prends un cockpit rouge avec très blanc, tu dis ça et hop, c'est fini. Mais bon, j'adore faire des décorations, donc j'en profite. Même mes pneus, regardez, ils sont bleus. Avec le reflet du. Avec le gars qui a peint aussi. Dessus. Je suis pas encore battu avec le hurricane avec ces décorations là. Je verrai dès qu'on dit bombardier. Lui, c'est mon meilleur bombardier de tous les bombardiers de War Thunder. Même l'américain, il rivalise pas trop avec. Enfin, peut-être que historiquement, ou même il est plus fort, mais je gère mieux avec l'anglais. J'ai pas mal. Oui, les anglais, j'ai beaucoup d'avions. Ils ont pas de chars, les anglais. Ils ont pas de chars. C'est la seule race avec le Japon qui ont pas de chars. Du coup, c'est simple pour l'amélioration. Donc voilà. Par contre, ils ont très bons avions, logique. Le Fury MK2, c'est mon préféré. Non, c'est le Hurricane mon préféré, mais avant le Hurricane, c'était lui. Il est assez maniable, j'allais assez vite avec. Et j'en ai buté quelques-uns. Ah, on a loupé le bombardier. Je sais plus s'il a un armement à l'avant. Je ne crois pas. Je crois pas qu'il y a un armement à l'avant. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il a un canon qui peut tirer à l'arrière. Il est extrêmement. Enfin, personnellement, on a eu beaucoup de mal à me battre avec ça. Il a mitraillé. Cette mitrailleuse-là, elle fait des ravages. On peut la contrôler, mais je préfère la laisser parce que je tire moins bien que l'ordi avec mitrailleuse arrière. Parce que surtout que le gars il zigzague. Donc je vais se tirer, mais c'est juste énorme. Je me rappelle être face à mon propre avion en fait. Cet avion-là, si pour me tuer, il arrive quand même à tuer le pilote. C'est cette partie là qui est vraiment la plus vénérable, mais c'est rare que vous voyez qu'ils vous déchiquent de mon aile arrière ou qui. Même ils ont beaucoup. Même ils ont quasiment. Encore, vous allez voir chez les Japonais, ils ont réussi à tuer une fois mon artilleur arrière. Je crois qu'il était mort. Je pense qu'il était mort parce qu'il tirait plus. Puis même son corps avait l'air. Je savais pas qu'on pouvait tuer l'artilleur. Je crois qu'il était mort. Donc voilà, c'était elle. Ah, 12 minutes déjà, vite, on va un peu se dépêcher. Donc voilà. On m'a jamais. Enfin, si on m'a déjà battu, mais pas. C'est peut-être des fois des pertes d'ailes, mais jamais vraiment. Jamais mis en morceaux. Ou peut-être en antérieur. Enfin, voilà, donc. Le gladiateur, il est assez bien en fait. Je sais pas jouer beaucoup avec, mais il est assez bien. Il est raisonnable. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. J'ai pas beaucoup joué avec, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de commentaires. Mais. Voilà, je vois rien à dire en fait. Je parle pour rien dire. Et on tourne au Japon, j'ai joué avec eux ce matin. Donc je me suis remis un peu dans le bain ce matin, avec une petite musique épique en fond, voilà, une petite décoration. En plus avec l'effet vieux de l'avion, on dirait que le tigre aussi, enfin la panthère. Panthère non je crois, ou jaguar. Jaguar plus. Je sais pas, jaguar ou panthère. Ah mais non, je suis peut-être panthère. Jaguar c'est pas... Comme ça, je crois. J'ai quoi. Mais non, je suis bête. Non, pas en terre. J'ai quoi. D'arrêt. Je crois que je confonds avec le léopard. Enfin, on s'en fiche. Donc, cet avion-là, japonais, j'ai joué ce matin. Non, c'est qui c'est lequel que je préfère. Zut. Voilà, oui, zut. Je ne sais pas. Ils ont tous leur spécialité. C'est le premier. Il explose bien les véhicules. Donc, je pense que c'est le premier mon préféré. Mais j'ai pas vraiment de préférence pour le côté japonais. Question avion. Je les aime tous. Ils ont tous d'abord droit à leurs caractéristiques bonnes. De bonnes caractéristiques pour se battre. Donc voilà, peu de décoration. Japonais, j'ai pas vraiment fait des décorations originales. J'ai placé comme je pouvais, j'avais pas vraiment d'idée en plus. Le plus original, je crois que c'est Bombardier. Donc voilà, lui, je lui ai mis un petit truc français pour croire que c'est un avion français. Bon, ça me dirait qu'à part un cucus, on pourrait croire que c'est un français comme avion. Parce qu'il y a le rond rouge en plus, et puis là aussi. Donc voilà, décoration vraiment, j'ai rien à dire, hein, c'est le japonais, j'ai pas fait de décoration spéciale. Il y a que le Bombardier, où c'est un peu plus. Même pas. J'ai fait une décoration un peu plus, voilà. Oui, voilà, ce truc original, c'est que j'ai un emblème allemand. Et du coup, ce classe, je vais le mettre 0, j'ai du coup, ça faisait une décoration classe, je trouve ça classe.
ce vieux corps pâtisserie, hein, parce que là tout le monde veut tirer sur le mitrailleur. Enfin, je crois qu'il est mort plusieurs fois ce mitrailleur. Le smoke pole, voilà. Ce bombardier là, je pense que c'est. Non, c'est pas. Non, peut-être pas. Mais si, question bombe, c'est mon premier. Non, c'est même. Ah, je sais pas. Si c'est mon premier bombardier qui est sur bombe, sinon, en général, ça doit être mon dernier bombardier. C'est celui que j'aime le moins, mais je l'aime bien, mais je sais pas. C'est pas mon coup de cœur. Mais question bombe, c'est le plus puissant parce que j'ai les bombes de 500 grammes. 500 kilos, 500 grammes. Non, excusez-moi, j'ai un doute. 500 kilos. 500 kilogrammes. Voilà, oui, 500 kilogrammes, 50. J'ai débloqué ce matin, 500 kilogrammes. Il n'y en a que deux, mais elles sont extrêmement puissantes. Et je continue à faire la charge, vous voyez qu'il est pas si développé que ça. Donc il peut encore s'améliorer. Et enfin, j'ai oublié de faire ce que je fais d'habitude le matin. C'est améliorer l'équipage. Et je ferai ça demain, du coup. Et aujourd'hui, déjà 15 minutes. Ça va peut-être durer 30 minutes cette vidéo-là, parce que j'ai expliqué tous mes avions, je voulais vous les montrer. Donc aujourd'hui, on va jouer avec l'Amérique. Et je pense qu'on va faire une ou deux batailles. Ça dépend le temps des batailles. On va faire une bataille aérienne, une bataille de char. C'est parti. On va faire une bataille aérienne ou une bataille de chat. Et franchement, ce jeu, c'est peut-être mon troisième jeu préféré. De juste en dessous Skyrim, je pense. J'adore. Surtout que j'aime bien les jeux de guerre sur des guerres mondiales. Sur des guerres mondiales et des jeux d'avion, en général, surtout réalistes comme ça. Même la bande-annonce, full hype. Même la bande-annonce, je mettrai le lien de la bande-annonce dans la description, mais ces bande-annonces me donnent. Si, me donne des frissons en fait, si. J'adore cette bande-annonce. La musique, c'est une seule musique russe que j'aime bien. J'aime pas tant que c'est la musique russe. Mais cette musique-là, russe, c'est ma préférée en fait. Je sais plus son nom, je regarde. À chaque fois, on l'appelle. Enfin, parce que je vous ai le refrain en fait, Dispiche, dans le refrain. Du coup, avec mon pote, la vision tout entier, elle doit être ralentie, hein, je choque dans le métal.
voir, voilà, bon, je trouve une place extrêmement intéressante. J'ai toujours rêvé de me battre à travers les champs de fumée comme vous voyez. Allez, on met dans l'avion. Le champ de fumée, vous savez, quand les bombes explosent, les antiaériens et que les bombes explosent derrière ça, j'ai toujours rêvé de faire. Et grâce à ce jeu, je peux le faire en plus gratuitement. C'est énorme. En tout cas, c'est sûr que j'en ferai des vidéos sur ce jeu. Avec. Je pense que je ferai d'autres vidéos bonus, mais avec un autre fils. Oh là 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 là, j'ai juste pas géré. Bon, genre, et du coup, c'est cool, j'ai encore mon bonus de la journée. Oh là là, j'ai dans le niveau 9 ce matin. Je crois que ça va encore. Maintenant, il faut pas le char. Peut-être qu'on aura le temps de refaire une bataille d'avion, juste pour le jouer, je sais. Oh là là. J'ai pas géré. J'ai tué un seul avion. Enfin, j'ai tué un seul avion. J'ai abattu un seul avion. Mon Buffalo. Je crois que j'ai balle furtive. Je savais pas que c'était aussi puissant. Je sais pas ce qu'il a ce Buffalo en ce moment. Il est en pleine croissance. Hein. Les Moonhawks qui sont censés être une mini forteresse volante. Il s'est fait abattre deux coups. J'aurais dû voir qu'il m'a abattu. J'ai pas lu. J'ai next très vite, j'aurais dû voir. Parce que d'habitude, même contre un bombardier, je tiens le coup contre des rafales de la maîtresse du bombardier. L'eau qui est faite pour des tours sur des avions lents. C'est vrai que des avions rapides, c'est pas trop son truc. Mais si vous avez un bombardier, vous prenez le Hawk et vous poursuivez le bombardier, il vous échappe pas. Il vous échappe pas. Vous tirez sur les moteurs, il échappera pas, pardon. Vous tirez sur le moteur. Son moteur va prendre feu, parce que déjà, si vous mettez Bastion de guerre comme mon avion, c'est vraiment le tueur du bombardier. Les bombardiers ne tiennent vraiment pas le coup contre lui. Surtout si le bombardier est déjà assez amoché et qu'il va pas très vite. Alors là, vous le terminez comme vous voulez. Bon, on a que deux chars.
Donc peut-être que ça va être très court, je suis plus fort. Je sais pas, ça dépend. Je suis souvent plus fort en bataille de char que d'avion. Ça dépend aussi comment se déroule la bataille. Ça dépend aussi de contre qui on joue, comment on joue l'équipe. Des fois, je peux tuer extrêmement rapidement comme ça. Allez. Le char vert. Dites-moi si quand vous trouvez ma façon de jouer, mais c'est la quasiment première fois que je trouve. Vous pouvez dire que je joue mal. Hein.
je comprendrais. C'est vrai que même pour le sac, j'ai pas géré. J'ai moins géré que ce matin, ça c'est sûr. Donc, commenter. Défaite. C'est pas grave. Comment dire. Commenter quoi. Dites aussi, parce que c'est la première fois que j'explique vraiment, on peut dire. J'ai surtout expliqué mes chats. J'ai pas vraiment fait des explications. Parce que là, j'ai vraiment fait. À l'origine, j'avais pas fait une vidéo sur. Sur. Je confonds avec Mountain Blade Warband. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai joué Mountain Blade Warband qui vient entre mes mains. War Thunder. War Thunder, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur War Thunder à l'origine. Donc, j'ai pu vraiment faire recherche. J'ai même pas expliqué vraiment qu'est-ce que c'était comme type d'avion. J'ai juste dit ce que je préférais et tout. J'ai pas vraiment fait de recherche. Genre. La guerre, est-ce qu'il était au début, fin de Deuxième Guerre mondiale, milieu, fin, l'apparition, quand, où, est-ce qu'il y a des grands pilotes qui vont, est-ce qu'il a vraiment servi dans cette guerre, est-ce qu'il a vraiment été utile, est-ce qu'il fait partie des meilleurs avions, enfin bref, voilà, j'ai pas vraiment expliqué ça, je suis pas très fort non plus pour les explications, surtout comme ça, historique, donc, surtout question de guerre, je suis fasciné par la guerre, mais je peux pas vraiment expliquer, je suis juste... c'est un truc qui c'est une partie de l'histoire qui que j'aime bien donc voilà pouce bleu ou pouce rouge on se reverra sans doute sur ce jeu avec bah, l'Allemagne du coup vu que c'est le deuxième pays et voilà partagez je mettrai le lien aussi de l'abondance dans la description je mettrai le lien de mon Steam aussi je suppose et voilà donc c'était The Dark Auto et à la prochaine pour un jeu flash, les trucs des jeux flash ou éventuellement la vidéo du mois. C'est à voir. Ouais, vidéo du mois ou jeu flash. Allez, c'était Zarkoto, c'est les amis.